Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais dire bonjour, comme d'habitude, à tout le monde. Kategeek est avec nous, coucou, Sapna est là. Roman qui nous dit bonsoir, bonsoir Roman. Yossi est là aussi, bien sûr. Victoria Jacques qui nous dit bonjour, bonjour. Victoria Pessé est là aussi. Lucienne Amoribé qui est là aussi. Hilary Howell est avec nous. Cosmina est là aussi, Bickert est là, Vouslat, Yulia, hein, il ne... ah, je ne comprends pas, Desarlika, Mercurialman, bonjour, Krishna est là aussi, bonjour, et Cheryline nous rejoint aussi. Nous allons voir qui sera là. N'oubliez pas, s'il vous plaît, comme vous le savez, tenez, pim, je vous le... Ah, est-ce que ça ne va pas marcher encore une fois? Non, c'est bon, n'oubliez pas de cliquer sur le like, merci beaucoup, c'est très très gentil. Anil nous rejoint, bonjour, bonjour, la patate douce. Alors ça, c'est sympa comme nom, la patate douce, c'est sympa. Les chips de patate douce, c'est incroyable. Berilla 71 et Lifestyle aussi, Tzétan nous rejoint, Spiritual Weapons, tout le monde est là. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur like et on va commencer. Et puis, vous pouvez aussi, eh bien, tout simplement rejoindre la communauté. Vous cliquez sur Join et vous allez choisir, eh bien, ce que vous voulez m'offrir un café, c'est toujours très très bien. Edwin qui nous dit bonjour, bonjour à vous Edwin. Si vous êtes à Los Angeles, attention Edwin, il faut mettre le masque. Hein, il faut mettre le masque, la situation aux États-Unis n'est pas très bonne avec le virus. Allez, on y va. Iris, bonjour, c'est la question du jour. Et la question du jour, eh bien, c'est tout simplement que souhaiteriez-vous changer dans votre appartement ou dans votre maison? Est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez changer? Eh bien, si c'est le cas, écrivez-moi une petite phrase. Merci. Alors, Mohamed nous dit bonsoir ou bonjour. Fiona est là aussi. Anil, très bien. Allez-y, Anil. Anil, on y va, on y va. Alors, bonjour, Bourmille Lover aussi.
Alors j'attends bien sûr vos réponses avec impatience. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous tapez. Il y a 60 personnes. Idéalement, j'aimerais 60 likes. Yulia qui nous répond tout simplement qu'elle ne voudrait pas changer une chose dans son appartement. Elle voudrait changer totalement d'appartement. Spiritual Weapons qui dit « Je voudrais changer la salle de bain ». Et ça, la salle de bain, c'est un gros travail à changer. Yossi, nous attendons la permission pour élargir, agrandir peut-être notre balcon. Donc, tout le monde pourra prendre rendez-vous. Nous irons chez Yossi pour faire la fête sur son balcon, puisque ce sera probablement un très grand balcon. Desarlika qui dit « Je souhaite que mon appartement soit plus propre ». Moi aussi, idéalement, mais tout le monde doit participer. Bombville Lover, moins de trucs et plus minimaliste. Ça, c'est très agréable. Quand vous commencez à réduire le nombre de choses, un sentiment de liberté. Morteza qui nous dit bonjour. Engine Denise qui nous dit bonjour, bienvenue. Victoria Possé qui nous dit « Je ne veux plus rien changer ». Ah oui, il y avait la peinture. Je me souviens de la peinture. J'ai déjà changé beaucoup de choses. Très bien. Et en plus, vous avez une peinture toute propre maintenant et toute neuve. Mercurialman qui nous dit « Je ferai tomber un mur pour créer plus d'espace ». Ça, c'est sympa. Quand c'est possible, attention, il y a des murs porteurs, Mercurialman. Et si vous faites tomber un mur porteur, la maison s'effondre. Hillary qui nous dit « Je ne souhaiterais changer rien ». J'aime ma maison. Ben ça, c'est formidable. Jay qui nous dit bonjour. Bonjour, Jay. Cosmina qui nous dit en ce moment, je ne souhaiterais pas changer quelque chose. Je ne souhaiterais rien changer. Mais pour répondre à l'exercice, je voudrais un style plus minimaliste avec moins de meubles. Ah, moi, j'avais testé. Il y a une période, j'ai testé. C'était assez agréable. Mais ça fait bizarre. Les gens qui rentrent chez vous regardent très bizarrement. Mais bon, Anil, je souhaite changer la couleur de mon appartement. Attention, masculin. Bickert, j'aimerais changer la terrasse parce qu'il faut construire des pierres au sol et qui sont cassées, démodées. Eh oui, ça, changer la terrasse, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Iris, j'aimerais faire plus, mais quand c'est est-ce que c'est impossible? Je n'ai pas compris, Iris. Mohamed, je voudrais changer la salle à manger. Eh oui, ça peut être sympa aussi, parce qu'on mange assez régulièrement dedans. Hein. Roman, j'aimerais avoir une petite salle de cinéma chez moi, où je peux regarder des films ou jouer à la PlayStation sur un grand écran. Le plaisir, la salle de cinéma, moi aussi, c'était mon rêve. Serena, je ne voudrais rien changer dans mon appartement, mais juste l'emplacement en France. Eh oui, alors ce serait intéressant. Serena, dans quelle région? Luciana, je voudrais faire de la peinture dans mon appartement et changer mon fauteuil, parce qu'il est trop vieux et un petit peu abîmé peut-être. Kirill, je veux changer les papiers peints dans ma pièce parce qu'ils sont bizarres et moches. Qu'est-ce que ça veut dire bizarre? C'est intéressant. Elboyd, bonjour. Roman, oui, vous corrigez. Cheryline nous dit « Je souhaiterais changer entièrement la décoration intérieure ». Alors entièrement, c'est radical. Dans notre maison, nous avons encore des meubles de l'époque où mes parents avaient récemment migré. Ah oui, d'accord. Donc c'est des meubles assez anciens. Peut-être vous pouvez revendre vos meubles et avec ça, acheter des meubles plus modernes, je ne sais pas. Merci beaucoup. Alors attendez, ça continue. Morteza. Alors ça, Morteza, nous serons amis. J'aimerais installer une piscine dans l'appartement. Oh, le rêve, en plein milieu du salon. Barty, j'aimerais avoir plus d'espace pour des plantes dans mon appartement. La patate douce, comme les égouts sont gelés chez moi, je voudrais les changer. Ah oui,
Et ça, je comprends. Bickert, j'aimerais aussi construire une cuisine avec une salle de bain. Ah oui, Bickert, ça commence, ça commence. Alors, Greta Dame Aquino nous rejoint. Bonjour, bonjour. N'oubliez pas de cliquer sur like, ce serait sympathique. Et Serena nous dit qu'elle voudrait aller quelque part à Bordeaux. Et effectivement, à Bordeaux, le climat est assez agréable. Et vous avez l'Atlantique, c'est vraiment formidable. La dune du Pilat, un endroit incroyable. Il y a beaucoup de choses très chouettes à côté de Bordeaux. Allez, les adjectifs. Vous le savez peut-être, je vous l'ai dit hier et avant-hier, la première semaine, c'est tout simplement pour faire quelques révisions. Donc, nous allons refaire quelques exercices que nous avons faits au semestre dernier, comme c'est souvent l'habitude quand vous étudiez. Donc, l'exercice, là, c'est sur, eh bien, tout simplement, les adjectifs. Les adjectifs, eh bien, regardez, les adjectifs qui peuvent être avant ou après le mot auquel ils sont reliés. Donc, on va le faire comme on l'a fait avant. Je vous donne eh bien, les deux traductions en anglais. Si c'est avant le mot, eh bien, la traduction sera « former ». Si c'est après, ce sera « old ». Écrivez-moi l'adjectif en français au masculin et au féminin, s'il vous plaît. Alors, Almour qui nous rejoint, qui dit qu'il ne peut pas vraiment interagir avec nous, ce n'est pas grave, Almour, pas de problème. Écoutez, participez, regardez après. Alors, Elboyd qui nous dit tout le monde. Tout le monde doit cliquer. Merci beaucoup, Elboyd. Alors, regardons ce que vous m'écrivez. Je vois qu'effectivement, pour l'instant, tout est bien. Alors attention Yossi, parce que précédent ne pourrait pas vraiment être traduit par old, hein, s'il est après. Donc malheureusement, ça n'est pas possible. Ici, nous sommes apparemment tous d'accord que c'est ancien et ancienne. Et Julia qui a remarqué qu'effectivement, je n'ai pas aujourd'hui la tasse, puisque je prends un petit peu de vin rouge pour être avec vous. Pour avoir un moment agréable. Donc, ancien au masculin, nous sommes d'accord, ancienne, version féminine, 2-N-E, phonétiquement, ancien, masculin, ancienne, féminin. Allez, on regarde le deuxième. Le deuxième, c'est l'adjectif qui, logiquement, serait traduit par « certain » ou « undeniable ». Comment est-ce que vous pourriez traduire ces adjectifs ? Donnez-moi les deux formes, masculin et féminin. Alors, dans ce cas-là, c'est assez facile, puisque c'est presque la même chose. Comme vous le voyez, ce sera certain au masculin. Le féminin, eh bien, ce sera certaine, juste avec un E final. Hein, le E qui, en général, est la marque du féminin pour les adjectifs. Énormément d'exceptions, mais c'est le concept basique. Allez, on continue avec le suivant. Et le suivant, c'est « dear » ou expensive. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français, s'il vous plaît, les deux formes, le masculin et le féminin.
Alors effectivement, ici, c'est cher. Et cher au féminin, vous voyez que nous les écrivons, et bien différemment, le masculin et le féminin, mais nous les prononçons de la même façon. Almour nous propose coûteux, coûteuse. Alors oui, Almour, pour la deuxième traduction, pour expensive. Mais cet adjectif coûteux ne peut pas avoir la signification de dear quand c'est avant le mot. D'accord ? Hein, donc c'est ça l'idée. Ici, cher ou cher peut avoir ces deux significations. Dear, si c'est avant le mot. Expensive, si c'est après le mot. Faites attention, chéri, non. Chéri, c'est un substantif. Un chéri ou une chérie, et c'est vraiment quelque chose de romantique. Et je crois que nous ne voulons pas en ce moment de romantisme ici. C'est mieux, soyons objectifs. Allez, on attaque. Le suivant, c'est « last » ou « previous ». Comment est-ce que vous pourriez traduire cet adjectif ? Même chose, masculin et féminin, s'il vous plaît. Alors, oui, nous sommes d'accord qu'effectivement, ici, c'est dernier masculin, dernière féminin. Idéalement, si vous avez les accents sur votre clavier, n'oubliez pas que dernière au féminin doit avoir un accent grave sur le deuxième E. Dernière. Alors, très bien. Couli, bonjour. I've been watching your lessons since 3 years. Merci beaucoup, Couli. Don't forget to click on the like. This lesson is only in French, d'accord? But then tomorrow it will be in English. If you prefer, it's okay, no problem. But I will only speak in French for this one because this is the concept of this lesson. Donc, dernier et dernière. Allez, hop! Regardez. Big ou great. Et si c'est après, ce sera tall. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça ? Masculin et féminin, s'il vous plaît. Alors, je vois qu'effectivement, tout est clair, apparemment. Nous sommes d'accord que l'adjectif au masculin sera grand, des finales que, bien sûr, nous ne prononçons pas. Forme féminine, eh bien, c'est grande, hein, donc avec le E. Effectivement, donc là, pour le moment, tout ce que je vois, c'est parfait. Mohamed, attention, c'était pas un Q, c'était un A. Vous avez été trop rapide sur le clavier. Donc, grand et grande. Je dis bravo parce que pour l'instant, tout est très bien. Alors ensuite, regardons l'adjectif qui suit. Eh bien, c'est same ou very. Apparemment, mon fils essaye d'entrer. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez-y. Thank you.
Alors, Olga Ruiz nous rejoint. Bonjour, bonsoir. Regardons ensemble. Effectivement, eh bien, c'est même. Alors, comme vous voyez ici, eh bien, même aura bah, finalement la même forme au masculin et au féminin. Allez, nous continuons avec le suivant, unfortunate ou poor. Anil nous demande, kindly tell me, it's exactly the same time, Anil. It's every day. From Monday to Saturday, it will be always the same time. It doesn't change, d'accord, but then tomorrow it will be in English, and then after that it will be, well, English and French, and only French, d'accord. Donc jeudi, Thursday, English and French, obviously. After that, Friday, English and French, mostly French. And then Saturday, it will be only French. Voilà. Allez, regardons ensuite. Je regarde ce que vous mettez. Oui, je dis bravo à Cosmina. Cosmina, elle est très, très, très déterminée. Hein, parce que Cosmina, elle a eu le vaccin et elle a la 5G. Et ça, c'est difficile à battre. C'est très difficile à battre. Et je dis bravo. Pauvre, une seule forme, encore une fois. Pauvre, masculin ou féminin, eh bien, ce sera la même forme. Alors, Yossi nous propose malheureux, malheureuse. Oui. Malheureux, malheureuse n'a pas vraiment cette connotation de poor hein, dans ce contexte-là. Mais ça dépend du contexte. Hein. On est d'accord, Yossi. Idéalement, Yossi, orientez-vous sur pauvre. C'est beaucoup plus simple. Yessero nous rejoint. Bonjour, Yessero. Alors, regardons l'adjectif suivant. L'adjectif suivant, c'est own ou clean. Donc, comment est-ce que vous pourriez traduire ça? Les deux formes, s'il vous plaît, le masculin et le féminin. Et c'est encore Cosmina qui est en pleine forme et qui nous dit propre. Julia est juste après, je dis bravo, Cherylyn. Effectivement, nous donne la bonne réponse. Donc, nous sommes d'accord que l'adjectif que nous cherchons ici, c'est propre. Propre, la même forme pour le masculin et pour le féminin. Alors, ensuite, Léona Ofodile, what do you say? Okay. Do you know if all of this... Ah, d'accord. If it's too hard for you, in that case, join tomorrow. Tomorrow it will be in English and in French. D'accord? This lesson is only in French. Okay? So it will be maybe easier for you if it's too difficult, this one. Alors, nous continuons avec le suivant. Et le suivant, c'est only ou lonely. Un seul adjectif avec la forme masculine et féminine. Alors, ici, c'est l'adjectif « seul », version masculine « s-e-u-l », féminin « s-e-u-l-e ». D'accord. Donc, dans ces cas-là, vous allez prononcer cet adjectif de la même façon. « Whistle B ». Attention, seulement, c'est un adverbe. Hein. Ça n'est pas un adjectif. L'adverbe sera connecté à un verbe. Ici, nous cherchons un adjectif qui est, lui, connecté à un substantif ou un nom. D'accord? Hellboy, cheers, le vin rouge. Yeah! Ah, c'est pour donner une atmosphère sympathique et relaxée.
Allez, on continue avec ces deux adjectifs, enfin en anglais, real ou true. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Allez-y. Alors, oui, Yulia, attention, pas de S. Yossi, attention, donnez-moi le féminin. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme Cosmina vous le dit, Dessarlik a aussi, Bombville Lover aussi, Beryl a 71, Almour, il y a deux formes. Hein. Il y a le masculin. Le masculin, c'est vrai, V-R-A-I. Le féminin. Traditionnellement, nous rajoutons le E, la marque du féminin. Nous ne prononçons pas le E. Et donc, vous obtenez vrai masculin, vrai avec le E féminin. D'accord? Dans les deux situations, vous allez prononcer cet adjectif de la même façon. Allez, c'est fini pour cet adjectif, cet exercice sur les adjectifs. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté et de m'offrir un café si vous vous sentez généreux. Ça me ferait très, très plaisir. J'adore le café. Je préfère le café au vin rouge d'ailleurs. Allez, l'image du jour, comme chaque jour, ou presque, nous avons une image. Et cette image, je l'ai vue, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Eh bien, la voici. Une phrase pour me décrire cette image. Allez-y. Alors, Elboyd qui demande quel niveau de langage est-ce, s'il vous plaît. Là, nous sommes dans un niveau B1, B2. C'est-à-dire que là, je parle normalement, Elboyd. Donc, idéalement, le jeudi, alors demain, ce sera niveau débutant. Après-demain, niveau intermédiaire. Et après-après-demain, niveau avancé. D'accord? Lundi, débutant, mardi intermédiaire, mercredi avancé, jeudi débutant, vendredi intermédiaire et samedi avancé. Ice Cubes qui nous rejoint. Bonsoir Ice Cubes. Tenez, Ice Cubes, je bois à votre retour. Quel plaisir de vous voir. Alors, c'est Greta qui est la première. Ah non, 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 c'est Kategi. Kategi, elle est en première position et nous dit, elle regarde par la fenêtre. Très bien écrit. Greta, une femme regarde ses enfants jouer dans la neige. Greta, vous avez de la neige. Ici, c'est énorme. Énorme, des montagnes de neige. C'est formidable. Namgyal qui nous rejoint. Bonjour. Elboyd qui nous dit, une jeune femme regarde par la fenêtre la nuit. C'est très bien écrit, Elboyd. Cosmina Bellou qui dit, je me vois dans cette image. Quand j'avais les cheveux blond et que j'étais plus jeune et rêveuse. Ah, c'est oui. Quand on rêve, c'est qu'on est jeune en général. Après, il y a une sorte de brutalité de la réalité. Alors, Luciana,
Une jeune fille regarde le paysage par la fenêtre. Très bien écrit. Ritem. La fille a l'air d'être triste et rêve de voyager et découvrir le monde parce que pendant la pandémie, elle vivait dans le monde virtuel. Oui, attention, Ritem, virtuel, juste EL. C'est pas féminin, c'est masculin, le monde. Yesero, je vois une femme qui regarde par la fenêtre pour ses rêves. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, attention. Alors, aujourd'hui, j'ai une visiteuse qui s'appelle Esli, ce petit chien noir qui est très mignon. Mais, en général, elle aboie facilement. Désolé, ça met un petit peu d'ambiance. Ensuite, je regarde Yesero, on l'a vu. Morteza, sois confortable avec ta solitude, même dans le point sombre de la vie. Merci beaucoup. Almour, une femme devant la fenêtre qui pense à l'avenir. Desarlika, elle voit la nature et elle espère que ses rêves deviennent réalité. Yossi, la jeune femme attend son époux avec un repas. Elle ne comprend pas pourquoi il ne retourne pas encore. Bickert, une jeune femme attend en face de la fenêtre. Et quelqu'un est peut-être là, elle a l'air d'être triste et seule. Roman, elle regarde la lune et le ciel est très clair ce soir. Très bien écrit. Kirill, la lumière a été éteinte dans toute la maison. Ensuite, Bombville Lover. Alors Bombville, qu'est-ce que vous nous dites? Elle veut aller dehors, l'intérieur ne suffit plus. Oui. Vouslat, elle regarde la neige par la fenêtre. Eh oui, vous en avez peut-être. Berilla, l'ombre entre par la fenêtre, par la lune, ou oui, avec la lune. Victoria Possé, cette image me rappelle ces jours-ci à Madrid en regardant par la fenêtre toute la journée. Hilary Howell, une femme ne peut pas dormir parce qu'elle a dormi toute la journée. Ice Cube qui dit youpi avec... Ice Cube, elle fait pas de commentaire pour l'image. Ice Cube. Non, Ice Cube, c'est juste le champagne, le vin rouge et un petit bonhomme qui sourit. Merci. Alors n'oubliez pas de cliquer sur like, merci. Vous savez que probablement mon objectif, eh bien, c'est 100 likes, ce serait idéal et probablement possible. Et si vous voulez, vous pouvez rejoindre notre communauté en cliquant sur le bouton Join qui se trouve juste au-dessous de la vidéo. Allez, ça c'est un exercice que nous avions déjà fait. C'est un exercice qui s'intitule « Que font-ils ?». C'est juste de la traduction avec de la liberté, donc à vous de me traduire ces phrases. La première, la voici. « He has to walk for 30 minutes ». Comment est-ce que vous pourriez traduire cette phrase en français? Allez-y. Alors Luciana, ce n'est pas mon chien. Moi, j'accueille les enfants avec leur chien. Donc c'est le chien de l'ami de mon fils. Et c'est une petite demoiselle qui s'appelle Esli et qui est très très mignonne et très sympathique. Cheryline qui nous donne la traduction. Effectivement, Cheryline, oui, c'est la même chose. Moi, j'utilisais « il doit », donc pas de problème, le verbe « marcher » après. Cosmina qui va sur « il faut qu'il marche ». Cosmina, je pense qu'elle aime bien le subjonctif et donc elle utilise effectivement « il faut que ». Et ça, c'est très intelligent, mais ça nécessite un subjonctif. Yesero, d'accord, il doit marcher pour... ouais. Alors, on pourrait l'accepter. Idéalement, Yesero, mettez plutôt « pendant ». Alors oui, il y a des personnes qui veulent utiliser pour. Hein. Faites attention, pour, on peut l'utiliser, mais en général, on va plutôt utiliser pendant, même si ce serait une traduction directe en anglais de for. Faites attention à ça. Yulia, pendant, attention, c'est avec un A, avec le après. Almour, il aurait dû, attention Almour, il aurait dû marcher, c'est...
du conditionnel passé. Et là, la signification est assez différente en fait, hein. C'est dans le passé, ce serait du regret ou quelque chose qui aurait dû être fait. Donc c'est totalement différent. Ici, on est dans le présent. Il doit marcher. D'accord? Je regarde les autres. Virginie. Ah, je clique sur show parce que Virginie a mis des émoticônes de toutes les possibles. Alors, avec la moustache, l'homme qui va bâiller, le personnage qui rit, c'est formidable. Ice Cube, je regarde, il doit marcher pendant 30 minutes. Elle est en forme, elle est en forme, ça y est, elle est prête. Kirill, il doit se promener. Faites attention, Kirill. Se promener, c'est pour le plaisir. Marcher, c'est tout simplement l'action de se déplacer avec les jambes. Donc c'est un petit peu différent. Allez, on va regarder le numéro 2. Et le numéro 2, regardez, on l'avait déjà eu, hein, c'est des révisions, je vous l'ai dit. He loves to surf. He loves to surf, comment est-ce que vous pouvez traduire cette phrase en français? Et n'oubliez pas de cliquer sur like. Pour me faire plaisir. Merci d'avance. Alors, je regarde, c'est Yossi qui commence. Yossi nous dit, il aime surfer. Oui, hein, on peut utiliser le verbe. On peut utiliser, comme Cosmina l'a fait, l'expression faire du surf. Hein, donc, les deux sont totalement acceptables. Julia qui dit, il aime le surf. Oui, ce serait possible aussi, finalement, pourquoi pas. Donc, il aime le surf. Il aime surfer. Il aime faire du surf. Tout ça, c'est effectivement très acceptable. Douglas qui dit j'aime bien tes vidéos mon ami. Eh bien merci Douglas, merci, ça me fait très plaisir. Je suis content si mes vidéos peuvent vous aider à apprendre le français. Le verbe surfer, hein, le verbe surfer, c'est un verbe régulier comme presque tous les néologismes. Les néologismes, ce sont les nouveaux verbes, les nouveaux mots. Tous les nouveaux verbes en général sont des verbes du premier groupe. Donc vous allez les conjuguer très facilement. Je surfe, tu surfes, il, elle surfe, nous surfons, vous surfez, il, elle surfe. Voilà. Donc il aime faire du surf, il aime surfer, il aime le surf sont tout à fait acceptables. Regardons la troisième phrase, et eh bien la voici. She likes to hike. Comment est-ce que vous pourriez traduire eh bien cette phrase? Allez-y. Alors effectivement, Luciana a raison, parce que Luciana est comme moi. Luciana, elle a vu qu'il y avait, là je vois qu'il y a 105 personnes. Vous êtes 105 et je voudrais idéalement, s'il vous plaît, 100 likes. Pas plus, pas plus, je serai un homme heureux avec 100, ça me fera plaisir. Merci. Alors, je regarde, Chérilyne est en première position et nous dit, elle adore faire des randonnées. Chérilyne, vous voulez aller vers le pluriel? Pas de problème. Hein. Personnellement, j'ai utilisé faire de la randonnée. Le pluriel est tout à fait acceptable. Bombville Lover qui va dans le même sens que moi, c'est-à-dire faire de la randonnée. Attention, Bombville Lover, randonnée, substantif. C'est pas le verbe, donc vous écrivez E, accent aigu, E. D'accord? Hein, le verbe existe, mais c'est ER. Julia, elle adore faire de la, faites attention, hein, Julia, randonnée, c'est féminin, donc de la randonnée. Ensuite, Yesero, elle aime faire de la, même chose, hein, Yesero, attention, c'est féminin, de la randonnée. Kirill, c'est bien, je regarde les autres.
D'accord. Hillary, elle aime faire de la randonnée. Ouais. Victoria Posse, pas de problème avec l'accent, Victoria Posse. Et je dis bravo. Bravo, Victoria, c'est formidable. Yossi, elle aime bien grimper. Faites attention, Yossi, parce que grimper, c'est vraiment. On a le sentiment que c'est pour faire de l'escalade, alors que là, de la randonnée, finalement, ça peut être aussi dans la campagne, dans la nature, pas automatiquement lié à la montagne. Grimper, c'est vraiment le sentiment, c'est on monte un rocher, on monte une colline, on monte une montagne. Patate douce, elle aime faire de la randonnée, d'accord, pas de problème. Vous pourriez mettre le verbe randonner, elle aime randonner, ce serait possible. Allez, le quatrième maintenant, regardez le quatrième. He feels lost. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Alors, Yossi qui nous dit que climb, c'est grimper pour word reference. Oui, mais c'était hike. Hein, souvenez-vous, hein, Yossi, c'était tout hike, c'était pas tout climb. Hein, c'est un petit peu différent quand même. Hein. Ah, et mon ami Laurence, Kate Crisis, est avec nous. Ça fait toujours plaisir de le voir. On dit bonjour à Laurent. Bonjour Laurent. Il faut faire attention parce que Laurent fait du ski en ce moment. Et quand Laurent fait du sport, en général, il finit toujours, toujours à l'hôpital. Alors ici, je regarde, on a deux possibilités. Soit vous allez prendre effectivement, comme vous l'avez fait, hein, le verbe sentir, mais faites attention, c'est la forme pronominale, hein, se sentir. Donc si vous le conjuguez, il se sent, S-E-N-T. Et je vois Laurent qui dit, mais où sont tes belles lunettes rouges? J'ai décidé de faire une rotation de lunettes. J'ai décidé de faire une rotation de lunettes, monsieur, c'est comme ça. Alors, personnellement, j'ai mis il a le sentiment d'être perdu. Si vous utilisez le verbe sentir, n'oubliez pas que c'est la forme pronominale se sentir. Il se sent perdu. Et là, ce sera très bien. Vous l'écrirez, bien sûr, S-E-N-T. Regardons la cinquième. La cinquième, la voici. Eh bien, they have fun on the beach. Comment est-ce que vous pourriez traduire cette phrase en français? Alors, je regarde. Nous, ouais, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Ici, le verbe, hein, ce sera le verbe s'amuser. Encore une fois, la forme pronominale. Donc ici, on va le mettre au pluriel. Il s'amuse. Hein, donc S apostrophe A-M-U-S-E-N-T. Il s'amuse. Après ça, faites attention pour la préposition. La préposition, en fait, on va utiliser sur, sur la plage. Il s'amuse sur la plage. Je regarde ce que vous me proposez. Faites attention, Barty propose dans la plage. C'est très très bizarre. C'est très très bizarre. Dans la plage, j'ai l'impression que c'est
à l'intérieur et c'est pas possible. Donc c'est vraiment sur la plage. Ice Cube, c'est parfait. Je regarde les autres. Non, c'est bien, effectivement. Math is fun demande sur ou dans. Eh bien, c'est sur la plage. Allez, numéro 6, la voici. She takes the time to meditate. Allez-y. Ah oui, d'accord, vous parlez de Laponie. Oui, parce que Laurent veut aller en Laponie. Monsieur veut aller en Laponie. Et bien sûr, il est très gentil, Laurent. Il m'a invité, mais je ne sais pas encore. Je n'ai pas de vêtements suffisamment chauds pour aller en Laponie, Laurent. Alors, c'est Cosmina Bellou qui est en première position et qui nous dit « Elle prend son temps pour méditer ». Oui, c'est pas mal. Personnellement, j'allais sur « Elle prend le temps de méditer », mais on est d'accord que votre proposition est tout à fait correcte. Mathis Von va dans la même direction. Attention, Julia, « prend », c'est P-R-E-N-D, d'accord ? Ça n'est pas oui, tout le monde a envie d'aller vers son temps. Alors, Ritem va le temps pour méditer. Alors, pour méditer, de méditer. Les deux sont tout à fait acceptables. Je regarde les autres. Attention, Almour, elle prend pas de S, d'accord ? Le S, c'est pour je prends, d'accord ? Et tu prends, avec S. Il, elle, on, juste D à la fin. Je regarde les autres. Non, pour l'instant, c'est bien. C'est bien. Renato Silva nous rejoint. Bonjour, bonsoir. Olga, où sont les lunettes rouges? Mais je ne sais pas. Je les ai cherchées. Je ne les ai pas trouvées. J'en ai trois. J'ai des rouges, j'ai les marrons et j'ai des noirs. Je vais faire des rotations, Olga. Je vais faire des rotations. C'est plus sympathique. Allez, numéro 7. Numéro 7. Regardez, she listens to music on her bed. Allez-y. Alors, Mathis Von, pas de problème, il n'y a pas de problème. Le live est enregistré, vous pouvez le regarder en replay. Pas de problème, comme tous les autres lives, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est Cherylyn qui est en première position, qui dit « Elle écoute de la musique sur son lit ». Alors, je dis « Bravo, regardez, j'ai écrit la même chose ». Cosmina, elle écoute la musique sur son lit. En général, Cosmina, n'oubliez pas qu'on va utiliser plutôt cette notion de partitif de la musique. Hein. Elle écoute de la musique, elle écoute du rap, elle écoute du jazz, etc., etc. L'idée, effectivement, c'est pour la préposition, c'est bien « sur son lit ». Parce qu'elle est sur son lit, elle n'est pas dans son lit. Hein. On peut utiliser les deux, mais c'est différent. Elle écoute de la musique sur son lit. Je regarde. Victoria Possé, c'est bien. Iris, c'est bien. Cassandra, parfait. Luciana, c'est bien aussi. Renato, ouais, faites attention. Sur son, hein, lit. Hein. Her, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais. C'est pas du français. Je regarde. Kirill, elle écoute de la musique, Kirill, idéalement. Vouslat, elle écoute de la musique aussi. Mathis Von, elle écoute de la musique. N'oubliez pas le de. Hein. J'écoute de la musique, j'écoute du rap, j'écoute du rock. J'écoute de la, je ne sais pas, musique électronique. Allez, on y va avec le numéro 8. Allez, numéro 8. Non, ce n'est pas it, mais c'est he.
Alors, regardez, on va le corriger en direct. He analyzes the company's results. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Allez-y. Alors, je regarde. Sherilyn est en premier, effectivement, et c'est très, très bien. Alors, l'erreur que les gens font en général, oui, c'est ce que Julia a fait. C'est-à-dire qu'en français, le verbe analyser, c'est avec un S. Verbe du premier groupe, pas très, très compliqué à conjuguer. Hein, j'analyse, tu analyses, il, elle analyse. Nous analysons, vous analysez, il, elle analyse. Avec la liaison, ils analysent, elles analysent. Alors donc ici, ils analysent les résultats pluriels, donc résultats avec un S à la fin, de l'entreprise. Je regarde, tout le monde me propose quelque chose de très bien. Alors Yossi va sur son entreprise. Attention Yossi, hein, deux possibilités. De l'entreprise ou de son entreprise. Si vous utilisez son, hein, c'est ce qu'on appelle un adjectif possessif, il n'y a pas d'article. De mon entreprise, de ton entreprise, de son entreprise. Donc vous choisissez avec l'article ou avec l'adjectif possessif, mais pas les deux. Je regarde les autres. Oui, c'est parfait, effectivement. Peace Joy, how do you say I am full? It's a funny question. What does it mean? Give me the context, Peace Joy. Context is the key in most of the cases when we're talking about languages. Alors, Matt is fun. L'entreprise, la société, oui. Je pourrais même accepter la compagnie, mais la compagnie, c'est un petit peu, c'est vraiment un anglicisme. Entreprise, société, oui. Gigi Sky, la compagnie, c'est un petit peu discutable, hein, parce que c'est vraiment une sorte d'anglicisme. Normalement, la compagnie, c'est quelqu'un qui est avec vous. J'aime être en compagnie de cette personne. Vous voyez, donc c'est un petit peu plus complexe. Entreprise, société, c'est parfait. Allez, on continue avec le numéro 9. J'espère que vous êtes prêts. He likes to garden on weekends. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Eh oui, Luciana, vous avez raison. Luciana, regarde, il y a 107 personnes actuellement qui regardent. Mais malheureusement, il n'y a pas 100 likes. Et c'est mon plaisir. Je voudrais 100 likes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cliquez sur « like ». Alors, Peace Joy qui dit, comment dit-on « I am full » in French quand on a mangé? Ça dépend du contexte, Peace Joy. It depends on the context and it depends on the level of language that you want to use. Let's say that « j'ai bien mangé » would be the best way and the neutral way to navigate. After that, you've got many options if you want to have something a bit more polite or less polite, there are some options. But j'ai bien mangé, je suis repu. This is extremely correct. Alors, regardons ce que vous me proposez. Personnellement, j'avais écrit, donc il aime faire du jardinage. Je pourrais accepter, comme Luciana propose, le verbe jardiner.
C'est parfait. Verbe du premier groupe, très bien. Il aime jardiner, il aime faire du jardinage. Attention, Bharti, jardinage avec un J, d'accord ? En français, on va utiliser le singulier, le week-end. Hein. On n'utilise pas la notion de pluriel, on va utiliser en français cette notion de singulier. Il aime faire du jardinage, il aime jardiner le week-end. Éventuellement, Vouslat propose pendant le week-end, c'est parfait. Vouslat, pas de problème, on peut utiliser aussi pendant le week-end. Très bien, regardons le dernier, c'est le numéro 10. Et le numéro 10, regardez, et pas dans cet appartement, parce que Esli est très, très gentille. The dog is chasing him. Comment vous pourriez traduire cette phrase, s'il vous plaît? Alors, George demande les fins de semaine. Alors oui, ça c'est une bonne question, George. C'est une très très bonne question. Fin de semaine, vous pourrez l'entendre, vous pourrez l'utiliser dans certains pays qui sont peut-être un peu plus puristes. Je pense au Canada et je pense au Québec. Au Québec, on utilise beaucoup plus facilement fin de semaine. Si vous allez en France et je suis français, on utilise le week-end, on utilise très, très, très rarement, presque jamais, fin de semaine. C'est très rare, Georges. Alors, c'est Cherylyn qui nous... Alors, attendez, Yossi, nous avons bien dit love, aimer, like, aimer bien. Oui, Yossi, tout est relatif. Hein. Tout est relatif, spécialement dans ce contexte-là. Et vous pourriez dire il adore, il aime bien. Là, on est d'accord que c'est vraiment des subtilités. Continuons avec la suivante. Alors... ici, plusieurs possibilités. Je suis en train de regarder ce que vous m'écrivez. Alors, vous m'avez proposé poursuivre. Je dis d'accord. Vous me proposez chasser. Oui. J'ai l'impression que s'il le chasse, oui, on peut l'accepter. Mais j'imagine le chien avec un fusil. Et c'est un petit peu bizarre, mais tout est possible dans ce monde. Personnellement, j'ai utilisé une autre structure, juste pour vous montrer que courir après, et ici, lui court après, c'est tout à fait possible. L. Boyd, c'est une expression. C'est une expression, hein, il lui court après, c'est une expression, ça veut dire qu'il le poursuit, qu'il le pourchasse, qu'il le chasse, si vous préférez. Namgyal qui dit pourchasser. Oui, pourchasser, je dis d'accord. Encore une fois, poursuivre est tout à fait acceptable. Courir après, c'est une expression. Si vous ne connaissez pas, eh bien, bienvenue. Vous avez découvert une nouvelle expression en français. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur « like ». Tout est possible. Je voudrais 100 likes. Et bien sûr, vous êtes bienvenue, rejoignez la communauté, offrez-moi un café si vous voulez, je suis un grand consommateur et amateur de café. Allez, le proverbe du jour, et nous savons que j'aime les proverbes. Regardez, il est plus facile de conseiller que de faire. C'est un proverbe qui, je trouve, est assez intéressant. Et bien sûr, la question c'est, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de ce proverbe? Il est plus facile de conseiller que de faire. S'il vous plaît, une phrase pour me commenter ce proverbe. Alors effectivement, Victoria Posse qui dit 100 et donc je célèbre ça avec un petit verre de vin rouge. JL qui nous dit une bonne énergie, mais bien sûr,
Et bien sûr, l'énergie, c'est important. Et la positivité est la clé. Allez-y, écrivez votre phrase, s'il vous plaît. Alors, je regarde, c'est Georges qui commence directement et qui nous dit. Finalement, c'est tout à fait correct. Georges est d'accord avec ça. Georges est d'accord avec ça. Hey boy, is it easy to tell people what to do? Oui, c'est ça. That's exactly the concept. Hein? It's easier to give some advice than to do something. Hein, c'est vraiment le concept. Julia qui nous dit, c'est un proverbe vrai. Gigi qui nous dit, il est toujours plus facile de parler, mais non. De faire par les paroles. Ah, d'accord. Donc, c'est une sorte d'adaptation. Gigi, Gigi Sky, merci beaucoup. Victoria Jacques qui dit Oui, je suis d'accord. Et nous nous souvenons que Victoria Jacques a des expériences avec ses collègues. Miltos Iliou, he's a bit rude. You should not swear like that. It is not nice. It is not nice. I'm pretty sure that your mother would be extremely offended. Sophia, je suis tout à fait d'accord avec ça. Yossi qui dit, c'est vrai. Sophia X qui nous dit, je suis totalement d'accord. Ah, c'était la même, pardon. Yessero, ça veut dire que parler ne coûte pas cher. Et c'est vrai, finalement, parler ne coûte pas cher. Bon, Bill Lover, c'est très vrai. Mes propres conseillers ne semblent pas fonctionner sur moi. Ah, mes propres conseils ne semblent pas fonctionner sur moi. Oui, mais c'est difficile, hein. C'est difficile parce que quand on se donne des conseils, comme c'est complexe, c'est très complexe aussi. Je regarde Cosmina qui nous dit, oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est plus facile de parler et c'est un peu plus difficile de faire les choses. Attention, c'est typique pour la classe politique dans tous les pays. C'est vrai. Riena qui nous dit, parler n'est pas cher. Vouslat, je suis tout à fait d'accord avec ce proverbe. Roman qui nous dit, il est plus facile de conseiller que de faire le service, d'accord? Je regarde ensuite. Alors, Pavel qui nous dit, what is conseiller? Conseiller, Pavel, it's to advise, to give some advice. Hein? Victoria Posse, je suis tout à fait d'accord. Pavel, my advice normally at the beginning of the lesson is to open on the tab, to open a dictionary. D'accord? Usually it's easier that way because if you encounter some new words, use the dictionary and after that you can get on the track because sometimes I don't see everything. Ice Cube, ce qui nous dit, c'est vrai. C'est comme déconstruire est plus facile que construire. Et surtout de la part de Ice Cube qui construit les choses. Elle n'aime pas les gens qui déconstruisent. Bickert, oui, toujours il est facile de conseiller parce que parler est facile, mais il est difficile de le faire et de pratiquer. Cheryline qui dit, je suis d'accord avec ce proverbe. C'est pourquoi, par exemple, il est plus facile de réaliser plusieurs choses en déléguant des tâches que de tout faire soi-même. Et ça, c'est la technique, hein. Un petit peu comme à l'université, on demande à des étudiants d'étudier certains sujets qu'on pourra utiliser après. Ça n'est pas raisonnable. Allez, on avait fait cet exercice il y a, eh bien, il y a quelques semaines ou quelques mois. Ce sont des expressions verbales avec le verbe avoir. Et je pense que c'est toujours intéressant de les répéter. Donc, encore une fois, nous allons les voir. Regardons la première. Et la première, eh bien, c'est le concept de ago. Comment on peut exprimer ce concept de ago en anglais? Avec avoir et donc une autre forme un peu plus complexe. Je vous attends.
Alors, je remarque que depuis que Yulia a demandé à Yossi pourquoi il était rapide et que Yossi a expliqué qu'il a changé de routeur, Yulia, elle a dû changer son routeur et elle est en première position presque systématiquement. Il y a effectivement Yossi, c'est bien Cheryline parfait. Donc, c'est clair pour tout le monde. Mathis Fon, attention, hein. Il, I, espace A. D'accord ? Nous sommes d'accord, je regarde ce que vous écrivez, pour l'instant tout est bien, c'est parfait, merci beaucoup. On continue avec le numéro 2. Le numéro 2, to ache ou to hurt, comment est-ce que vous pourriez l'écrire en français, l'expression qu'on utilise avec avoir, s'il vous plaît. Et je dois remercier deux personnes, Barty et George Hodson, qui très gentiment m'offrent des cafés. Et vous savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un grand consommateur de café avec modération. Je sais que Cosmina avait dit, attention, le café c'est bien, mais il ne faut pas trop en boire, je respecte ça. Regardons ensuite ici, c'est avoir mal. Avoir mal, c'est vraiment l'expression qu'on utilise et je vous donne la préposition. Et la préposition, c'est à. Avoir mal au bras, par exemple. Avoir mal à la tête. Avoir mal au ventre. Donc, c'est vraiment avec la préposition à. Vous la combinez avec le, si vous avez l'article le, et vous obtenez au. Avoir mal au ventre. Si c'est féminin, avoir mal à la tête. Très bien, bah écoutez, pour l'instant, c'est pas difficile. Regardons la suite. Numéro 3, regardez, c'est to be years old. Comment est-ce que vous pourriez dire ça en français? Allez-y. Alors, effectivement, Yulia qui se moque de moi, et ça n'est pas bien, bouh! Alors, en tout cas, avoir, c'est effectivement le verbe qu'en français, on utilise pour parler de l'âge, on n'utilise pas être. C'est une erreur, dans pas mal de langues, on utilise le concept de être. En français, on utilise le verbe avoir. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'utiliser « en ». Avoir 10 ans, avoir 20 ans, comme moi, ou avoir, comme Victoria Jacques nous le dit, 100 ans. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre jusqu'à 100 ans? Je ne suis pas sûr, c'est une autre discussion. Allez, on continue avec le numéro 4. Et le numéro 4, regardez, to be afraid of. Comment est-ce que vous pourriez dire ça en français? Allez-y. Alors effectivement, donc l'expression c'est avoir peur, et puis après on peut utiliser l'idée, hein, c'était d'essayer d'introduire la préposition. C'est toujours pratique de se souvenir des prépositions, ici c'est de. Avoir peur de
quelque chose, avoir peur de faire quelque chose. Donc vraiment l'idée ici c'est d'utiliser la préposition de. Pour l'instant c'est bien, Yesero. Oui, avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un, c'est parfait. On peut l'utiliser avec un verbe, hein, Yesero aussi, hein, avoir peur de faire quelque chose. Elboy, j'ai peur que la classe finisse. Elboy, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Si je suis là, je serai là demain et après-demain et après-après-demain et la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, Elboy, je suis là. Au rendez-vous. Allez, numéro 5. Numéro 5, regardez, ça c'est pas mal. To be ashamed of. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Alors, oui, très bien, effectivement. Bourneville Lover est en première position, juste après Cosmina. Cherylyn, c'est bien. Ravidja, non, je ne suis pas vraiment d'accord. Ici, c'était vraiment le concept de avoir honte. Même chose, hein, préposition de. Avoir honte de. D'accord, je regarde ensuite. Avoir honte de. Oui, Peace Joy, c'est bien. Victoria Posse, c'est bien. Axmed Dahir, pas mal, mais possible vivre lointain. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous écrivez. Roman, faites attention, c'est juste avoir. Hein. Avoir honte de. J'ai honte de d'être en retard. Hein. J'ai honte de mal parler, etc., etc. Allez, on continue avec le numéro 6. Et le numéro 6, to be cold. Pour une personne, hein, on est d'accord, s'il fait froid, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous allez dire? Alors là, effectivement, hein, ça semble très très facile pour tout le monde. Souvenez-vous, hein, c'est vraiment avoir. Ça n'est pas être. Ça aussi, c'est une erreur assez classique. Être froid, ça existe. Mais vous parlez de la personnalité. Une personne qui est froide, c'est une personne qui est distante. Hein. C'est une personne qui n'est pas chaleureuse. Donc ici, c'est vraiment avoir froid. Il fait froid, j'ai froid. Donc c'est vraiment avec le verbe avoir. On continue avec le numéro 7. Le numéro 7, même chose, hein, to be hot pour une personne. Le même concept, mais bien sûr dans l'autre sens. Alors, Elboyd qui nous dit au revoir. Au revoir, Elboyd. Nous arrêtons dans quelques secondes. Vous allez dormir. Personnellement, c'est le mercredi. Et le mercredi, c'est le jour de mon sauna. Et oui, et là, c'est relativement simple aussi. C'est le contraire, c'est-à-dire l'adjectif chaud, avoir chaud. Et Victoria Jacques qui nous met une petite flamme pour symboliser ça.
Et nous disons un grand merci à Victoria, Jacques, pour cette jolie petite flamme. Et avoir chaud, c'est exactement ce que je vais avoir dans quelques minutes, puisque je vais aller au sauna. Le mercredi, c'est le jour du sauna, donc j'y vais avec plaisir. Je vous donne rendez-vous eh bien demain. Demain, ce sera comme d'habitude en anglais et en français. Après ça, ce sera en français. Et après ça, ce sera encore en français. Merci beaucoup, profitez de la vie. Au revoir. Alla maailma, jonne et tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka allen sinut musertaa. Me pyllisen reunan ja asetut roikkumaan niin. Ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni. Ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni.